Salut les Burek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur notre chaîne série, comme vous voulez. C'est le JT de la Coupe d'Europe, comme vous l'aurez vu au titre. J'espère que la miniature vous aura plu. Hein. C'est quand j'ai fait le petit voyage. D'abord, avant de vous expliquer tout ça, je fais gagner un FIFA à 1000 abonnés. Donc abonnez-vous en masse. Voilà, FIFA sur n'importe quelle console, la console que vous le souhaitez. Voilà, donc la petite miniature, c'est quand j'étais à Madrid. Au mois de mai, j'ai pu prendre la photo avec la vraie Coupe d'Europe. Hein. C'était la dernière sortie qu'ils ont fait, la dernière Coupe d'Europe. Donc j'ai eu la chance de pouvoir la prendre. Donc j'ai dit pourquoi pas, c'est le JT de José. Donc on met José en photo. Bref, allez, tout de suite, le sommaire avec en premier les résultats de classement. 3 meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, 4 top et flop. Voilà, c'est parti tout de suite avec les résultats. Avec Paris qui gagne 5-0, on va s'intéresser qu'au club français hein, et à leur groupe. Voilà, 5-0 pour Paris à Bruges, 1-0 pour Madrid et à Galatasaray pour le groupe de Paris. Lyon qui perd 2-1 sur la pelouse de Benfica et qui relance les Portugais pendant que le Zénith a perdu 2-1 à Leipzig. Lyon aurait pu finir premier du groupe en s'imposant. Pour Lille, un but partout aussi, un peu mieux que Lyon. Et Chelsea qui a gagné 1-0 face à l'Ajax. À l'Ajax, première défaite de l'Ajax, c'est à noter. Tout de suite, maintenant, si ça vous intéresse, mettez pause pour voir les autres résultats. En tous les cas, nous, on passe au classement avec Paris qui est premier avec 9 points et qui est presque sûr d'être qualifié. Voilà, dans son groupe, Madrid deuxième avec 4 points. Voilà, ça va monter à mon avis les deux clubs. Mais attention quand même à Bruges qui a livré une belle prestation face à Paris. C'est à noter malgré les 5 buts encaissés pour l'un des 60 premières minutes. C'était vraiment pas mal. Pour Lyon, 4 et 3e, c'est la Coupe de l'UEFA pour l'instant avec 4 points égalité avec le Zénith à cause du match nul au Groupama Stadium. Voilà. Premier, c'est Leipzig avec 6 points. Dernier, Benfica, 3 points. On voit que c'est resserré. Pour Lille, ils sont derniers avec 1 point. Valence, 4 points en deuxième. Troisième. Et Chelsea et l'Ajax, premier, tous les deux à 6 points. Voilà, Lille, ça reflète pas trop ce qu'ils nous ont montré parce qu'en Coupe d'Europe, ils nous ont fait des belles prestations quand même cette année. Malgré qu'en championnat, c'est quand même pas mal. Franchement, voilà, ça montre pas la prestation qu'ils font, hein, ce classement. Tout de suite, meilleur buteur, meilleur passeur avec Haaland. C'est un joueur que ils n'avaient pas parlé de lui avant cette Coupe d'Europe et il a fait quelque chose d'exceptionnel. Hein. En 3 matchs et 6 buts, il devance Robert Lewandowski et Harry Kane sur le podium, 5 et 4 buts pour les deux autres. Donc vraiment, c'est un joueur que je ne connaissais pas et j'ai appris à connaître avec la Coupe d'Europe. Très belle révélation, félicitations à lui. Pour les meilleurs passeurs, c'est Roberto Firmino, 4 passes décisives. Takumi Minamino le RB Salzbourg, un joueur aussi qu'on ne connaissait pas du grand public, mais qui fait parler de lui. Mahrez, 3 passes aussi, 3e. Bon, à égalité, il y a Yichang Wang et Zako Junuzovic. Voilà, ils sont tous égalités pour la 2e place. Ah oui, les amis, j'allais oublier, avant les tops et les flops, l'équipe de la journée officielle, donc avec Zanga dans les cages. Ramsky, Leimer et De Vrij pour la défense. Le milieu de terrain avec Chamberlain, Di Maria, Lamela, Sterling, Son, Mertens et Mbappé les attaquants. Voilà l'équipe de la journée officielle. Les tops et les flops maintenant. Tout de suite, les tops et les flops. Donc alors le premier top, hein, c'est notre Kiki National, Kylian Mbappé, auteur d'une super prestation mardi soir. Le génie français a assommé le club belge et montre qu'il est de retour. Il a brisé des records. Hein. Le seul qui a mis un triplé, je crois, en 38 minutes, c'était un Espagnol lors de la dernière édition de la Coupe de l'UEFA avant que ça passe au Europa League. En Coupe d'Europe, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises. 38 minutes de jouer, c'est 3 buts et une passe D pour l'international français. Félicitations. Le deuxième, je suis désolé, lui aussi, c'est 3 buts et une passe D cette fois en 90 minutes. C'est Raheem Sterling, hein, l'international anglais. Belle prestation, c'est hors norme hein, ce qu'ils font ces deux-là. Grande qualité de percussion, on sait qu'il va très vite et qu'il percute et ça c'est très bien, félicitations à lui, c'est un top. On va tout de suite passer au flop, donc alors c'est le manque de réalisme lillois que j'ai décidé de mettre parce que quand on tire 27 fois pour 6 tirs cadrés et un but, franchement c'est peut-être un manque de chance aussi, il y a eu des montants il me semble, je voudrais pas dire de conneries, mais enfin c'est pas mérité du tout ce match nul, ils auraient mérité plus, donc il va falloir se concentrer là-dessus et ça fait déjà quelques matchs où ça manque de réalisme. Alors après, ça va être un petit peu autre chose que j'ai mis, c'est la première mi-temps de Turin, parce que franchement, j'ai pas. Ils se sont fait punir à la demi-heure de jeu défensivement. Bon,
Voilà, quoi, on se fait punir alors qu'on domine et qu'on tire 12 fois la cage contre 4 deux fois, il y a un petit problème quoi, d'efficacité, puis après on se fait punir, on n'est pas concentré en défense et on prend un but, bêtement, voilà. Et heureusement, ils ont pu redresser la barre en seconde mi-temps en inversant la tendance. Voilà pour le deuxième flop. Et voilà les amis, j'espère que... j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Je vous dis Kishen Palier, à la prochaine, salut.